Salut la famille, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois de plus devant vous et nous disons merci, merci d'être toujours là présent comme d'habitude à travers cet espace des commentaires. Comme on a toujours l'habitude de vous les rappeler, cet espace est bien réservé pour toi. Donc si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, n'hésitez pas. Mais avant tout, pose-toi d'abord la question de savoir si tu es abonné. Si tu n'es pas encore abonné, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est juste en bas dans les coins, tu cliques, tu t'abonnes. T'active aussi la cloche des notifications. Activer la cloche, c'est tout simplement cliquer sur cette cloche pour l'activer. Et puis, liker. Là, tu peux déjà liker. C'est très, très important pour nos chaînes. Et puis, regarder aussi nos vidéos jusqu'à la fin. Et après avoir nous regardé, si tu trouves que peut-être on ignore quelques réalités, on n'est pas cohérent, tu voulais nous contredire, tu voulais nous révéler des choses, ou bien si tu as des suggestions, des conseils, des propositions, n'hésitez pas, utilise l'espace des commentaires. Donc, laisse-nous un bon commentaire qui va correspondre avec tout ce qu'on va dégager ici. C'est très, très important. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'actualité, tout simplement, qui nous oblige. Parce que aujourd'hui, moi, quelques temps, quelques minutes, et je me suis dit, na minito yo, aujourd'hui, tu kana partager na bino, moi, eloko yo, to lobe la, moi, mouke. Parce que tosolo la kana batu ba comme la rabiso ba ben la rabiso ba soto na biso pa mankambo ba évolution Albert et loko yo zo mona ngonenge nini tu ne parles pas de ça. Donc c'est très bien, on a donné cet accès à tout le monde. C'est la raison pour laquelle ba numéro ezalaka wana. Tu peux nous appeler, tu peux nous écrire, biso to yambaka batu to comme la rabiso batu, nous on est comme ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors l'actualité, on va parler de l'artiste et musicien Fally Ipupa, on va parler de l'artiste et musicien Ferregola et puis on va parler aussi de l'artiste et musicien Koffi Olomide. Il y a aussi Héritier Watanabe qui va jouer aujourd'hui le 8 novembre na Belgique. On va essayer de parler ce qui temps est permettre. Alors, Togobana, artiste et musicien Ferregola. J'ai eu pas mal d'appels, pas mal de messages pour me dire que Albert, regarde ton artiste Ferregola, Yewana, lui aussi. Il vient de se plonger dans la danse du moment, danse Balthazar. Donc, c'est quoi ça? Est-ce que l'artiste Oyopena a zalaka conscient dans ma kambo ou ya salaka? Ça, c'est quoi? Ou ya ba bassesse? Donc, na zupena ba message ebele ba commentaire a batu ebele ba commentaire moko ou na koki ko benga négatif. En tout cas, batu ba sepelite ba moni lokola seza bassesse moko boye. Ba zomituna, est-ce que Ferre Pena a zalaka na ba conseiller? Est-ce que Père Ferre Pena? Peut-être à la fin d'avoir conseillé, mais à yo qui l'a raboté. Alors, bah toi, l'oubli que na émettre à Vinanga, na l'obé la likambouana, est-ce que c'est normal? Est-ce que il faut sauter sur tout et n'importe quoi pour tout simplement faire du buzz? Est-ce que c'est normal vraiment? Vous savez, je vous ai toujours dit que awa na ba année passée, awa, ça fait un moment. Que biso moko to induiza vie quadra na ba erreur na lobaka yango trop likamboyo. Pourquoi? Parce que les gens étaient là en disant que non, tozo féliciter vie quadra parce que lui avec son âge, mais il se maintient quand même à se maintenir en actualité, il est toujours là présent. Albert Premier, j'avais toujours cette habitude de poser la vraie question en disant que il est présent dans quoi réellement? On parle de lui dans quoi et sur quoi et pourquoi? Est-ce que on parle de lui dans la chanson, dans les albums, dans les activités, ou bien activité à musique, ou bien on parle de lui dans d'autres choses qui ne les valorisent pas? En fait, c'est ça la vraie question. Vous savez, nous Congolais, on se précipite à la télé pour parler, bavarder, blablabla, bla, 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 mais en vrai, on ne se pose pas des vraies questions. On se contente tout simplement dans ma kambomo où il y a mike mike kaka parce que on est des petits en esprit. En tout cas, les Congolais tous à la capena mike na esprit. Oh, Lévier, on les félicite malgré son âge. Lui, il est toujours là, il est toujours en actualité. Mais dans quel genre d'actualité? C'est dans des baises inutiles. Si ce n'est pas exposer sa famille, c'est se retrouver dans des conflits, dans des choses bêtes, bêtes, qui n'honorent pas sa grandeur, qui n'honorent pas sa personnalité. Tout simplement qu'il puisse se maintenir dans l'actualité, qu'on parle de lui. Mais on parle de toi en quoi réellement?
Et on devrait parler de toi en quoi, sur quoi et pourquoi. Tu es un artiste et musicien. Mais sur le terrain, on te retrouve dans les affaires familiales, dans des polémiques, dans des conflits inutiles, dans des vols, dans des tricheries. Mais les gens félicitent. Non, malgré son âge, à se maintenir cac. Ok. Et ça, bisopet osa ba responsable. Parce que toi et d'apena ba artiste na bisoté. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ba faire épée, ba komi kaka ko nager na même vent. Baise kaka. Hein? Il faut sauter sur tout et n'importe quoi et n'importe comment. Ezalaya bien, ezalaya mabe, il faut sauter kaka pour qu'on puisse parler de toi. C'est la réalité, on a dit ce qu'on ne vient pas. Est-ce que réalité en haut, ezapena réalité à malam? Est-ce qu'on doit laisser nos artistes se plonger dans n'importe quelle sauce? Parce que tu sais, se plonger dans l'eau, c'est tellement facile. Mais nager pour sortir dans l'eau, c'est ce qui est très compliqué. Faire des plonges dans l'eau, tout le monde peut les faire. Tout le monde peut plonger, peu importe la façon où tu vas plonger. Tout le monde peut plonger. Mais nager pour sortir dans l'eau, c'est ça le vrai problème. Alors, plusieurs personnes se sont plongées dans des baisses comme ça. Et aujourd'hui, ils se retrouvent maintenant comme des esclaves des baisses. Jules ne peut pas s'en passer dans la baisse. Donc, il faut sauter sur tout et n'importe quoi. À n'importe quel moment, on saute. Et ça l'a bien, et ça l'a mabé. On doit sauter caca pour qu'on puisse se maintenir dans l'actualité. Et ça devient très dangereux. Il y a un peu de temps qui a été mis au quadre. Il y a un peu de temps qui a été mis au quadre. Il y a un peu de temps qui a été grammaire na bino ndenye ni basal la kati bolakisi grammaire na bino TikTok me bobosani ko orienté ndenye ni basal la kayango botiki na nda na retour na bino boye ko kuta grammaire a exposé mabele na TikTok. Catastrophe naturelle. Moyen à ko récupérer ezate bato esi ba partager. C'est comme ba vieux quadre. Bisonde to induiza bango na ba erreur. To banda kotalisa bango que se maintenir dans l'actualité, c'est quelque chose de bien. Mais on n'a pas orienté nos artistes comment se maintenir dans l'actualité. Et c'est quel genre d'actualité que tu dois faire par tous les moyens possibles pour que tu puisses te maintenir. Ce n'est pas dans des baisses. Et aujourd'hui, tozanabaka lokola ya baferi. Faire ego là, je vous ai toujours expliqué 1000 fois, 1 million de fois. Je les considère comme un migrant des rêves. Je l'ai toujours dit. Un migrant des rêves, Fally nous a chanté. Tu sais, la chanson « Migrant des rêves » de l'artiste Fally Ipupa. Si tu écoutes le parole qu'a utilisé l'artiste émissien Fally Ipupa, toi-même tu vas comprendre pourquoi Albert Ier considère Faire comme un migrant des rêves. Fally chante comment? Fally chante. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe, oh lélé, nana lélié. Aïe, oh lélé, J'affronte la mer, le vague, les océans. Et faire demi-tour, c'est trop tard, mais non. N'allez-lié, j'ai appris à courir avant de pouvoir marcher. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. À travers ces paroles qu'a utilisé l'artiste émissien Fally Ipupa, toi-même tu vas comprendre pourquoi je considère Faire Ego là comme un migrant des rêves. Un migrant des rêves en plein océan, c'est celui-là qui a déjà perdu les repères. Il avance les yeux fermés. Donc il peut se cogner la tête à n'importe quel moment. Il a déjà perdu les repères. Alors un homme comme ça,
dans des situations comme ça, il est prêt à n'importe quelle proposition. Il suffit tout simplement que cette proposition-là est mémaillée à destination. Sinon, il est exposé à n'importe quelle proposition. Ata soki baleine abîmé lié na océan, baleine a proposé que na melayo na kokende ko sansayo akondima. Parce que il a déjà perdu les repères, espoir ezaté. Aza na solution té, il avance les yeux fermés. Il a appris à courir avant de pouvoir marcher. Ça veut dire quoi tout simplement? Quand Fali nous chante, j'ai appris à courir avant de pouvoir marcher. Cela veut dire tout simplement, il a appris à brûler les étapes avant de respecter les étapes. Donc, lui n'a pas respecté les étapes, mais lui, il a voulu brûler les étapes. Aux années première primaire, mais tu vas te retrouver dans la quatrième primaire. Tu sautes deuxième primaire, tu sautes troisième primaire. Et pourtant, deuxième, troisième primaire, il y a mon déco facilité aux tâches, il y a quoi affronter quatrième primaire. Mais comme toi, tu n'as pas appris à marcher, mais tu as appris à courir. Donc, tu as brûlé les étapes. Tu as perdu les repères. Et quand tu vas te retrouver dans quatrième primaire, matière est comme il y a un kilo. Parce que tu as brûlé, tu as sauté des étapes. Tu as sauté quelques préparations. C'est comme le ferré. C'est un migrant des rêves. Il a déjà perdu les repères. C'est un artiste qui s'expose à n'importe quel moment. Imaginez-vous un artiste qui s'expose même aux propositions de ses propres fanatiques. Il nous a déjà démontré ça maintes fois. Ferrego lui-même un jour avait dit que non, si j'ai fait un album ouvert, c'est parce que les fanatiques m'ont demandé ça. Donc aujourd'hui, si les fanatiques lui demandent de tuer quelqu'un, il va le faire. Parce que c'est un migrant des rêves. Il est prêt à tout. Il a déjà perdu les repères. C'est comme avion. C'est comme un avion. Avion, oyo. Et c'est perdre na radar. Bazo mona yango li susute na radar. Et connaître difficulté. Avion, ana. Et zalaka prêt pour na ba proposition nyonso. Même si c'est Boeing, ata soki balobi na ngo OK parce que bozana situation ya mabe, bo atterrir ata na moi aérodrome moko boye, pilote akondima, a atterrir kaka bongo po batala soki bakoki ko sauver situation. C'est comme le fait Rigo là. Il est exposé à n'importe quelle proposition, il est exposé à n'importe quelle situation. Aujourd'hui si tu présentes quelque chose sur la table de Ferrego là, il va accepter parce que choix est athé. Il avance les yeux fermés. C'est la raison pour laquelle une appli honte, parce qu'un migrant des rêves en plein océan, pas question de honte. Ce n'est plus question de honte, ce n'est plus question de personnalité. Et comme une question, il y a survie. Je vous ai toujours expliqué ça. Pour survivre, tu dois faire par tous les moyens possibles pour que tu puisses survivre. Et comme une question est à survie, et ça, les sous-questions en personnalité, parce que Batoubalobi ferait vraiment zanga personnalité. Je vous ai toujours expliqué. Pour les cas de ferre, ce n'est plus question est à personnalité. Et comme une question est à survie. C'est la raison pour laquelle l'artiste a commis qu'on s'est retrouvé dans la baisse, il y a Balthazar. La danse, en croyant que c'est quelque chose du bien, et pourtant, c'est malheureux de voir un artiste qui se précipite pour réaliser un clip et pour exhiber la danse du moment, soi-disant la danse de Balthazar. Donc tu prônes, donc toi tu es là, tu soutiens ce que Balthazar a fait. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Donc ça t'arrange tous les couples qu'a brisé Balthazar. La honte qu'a fait Balthazar. Aujourd'hui, il y a de ces femmes, des bureaucrates qui subissent maintenant la pression venant de leur mari.
en disant que naba biro na bino wana bokenda kanzo kande bosala ka ba mankabo ya boye. Donc toi aussi comme tu es là, tu peux avoir un Balthazar quelque part. Mais c'est maintenant un artiste, lui il se précipite pour nous sortir un clip en exhibant la danse de Balthazar, soi-disant. Et tout ça c'est quoi? Baise. Parce que Makambo ya Balthazar ezo ça la baise, alors moi aussi je dois sauter sur ça. Mais tu sautes comment? Et va, ça va t'amener où? C'est tellement triste. Vous savez, on vous a toujours dit ici, critiquer Fally, c'est tellement simple. Se moquer de Fally, c'est tellement simple. Mais faire comme lui, c'est quasiment impossible. Je vous ai toujours dit ici, erreur oyo bosali sa fere, na yemoko fere ami salisa. C'était d'accepter cette rivalité avec Fally. Je vous ai toujours expliqué ici, si tu veux rivaliser avec Fally, il faut être prêt. Il faut vérifier tes arrières. Parce que rivaliser avec Fally, c'est comme brouette moko boye et zolinga et ça la course na Bugatti. Je vous ai toujours expliqué ça. C'est tellement compliqué. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui Tokomiko s'est retrouvé dans la situation oyo. Sauter sur tout et n'importe quoi. Pour apparaître. Pour balobelayo. Pour essa la buzz. Vous ne faites plus la musique. Vous vous exposez maintenant dans n'importe quelle buzz. Qu'on vous retrouve là-dedans. Dans n'importe quelle sauce. Dans n'importe quelle casserole. Vous retrouvez facilement dans n'importe quel bruit. Aujourd'hui, c'est Balthazar en featuring avec Raïva. Insulter Fally, c'est facile. Quand Fally nous a placé sa date dans la plus grande salle de l'Europe, Paris La Défense Arena, les gens se moquaient. Mais Fally avait vendu plus de 70% des billets dans moins de 48 heures. Et puis le billet restant, les gens ont commencé à acheter ça paisiblement, lentement, sans précipitation. Mais il avait déjà assuré la salle. Il avait déjà assuré les producteurs. Et il s'est assuré lui-même. Et il avait déjà assuré ses fanatiques. À plus de 70% des billets vendus, les concerts étaient déjà assurés. Et le billet restant, les gens ont commencé à payer ça mollo, sans précipitation, sans stress. Mais vous, vous êtes moqués. Et aujourd'hui, Eza Tournabino, on fait comment? Paris La Défense Arena, ça vous complique maintenant la situation jusqu'à ce que Tokomi na ba niveau ya ba menace. Au report, au annulation. Paris La Défense Arena, quand Fally nous a placé cette date-là, Fally était calme dans son coin. Il a annoncé à Fungola Billetterie, il a passé à autre chose. Sans pour autant chanter pour ses concerts, sans pour autant faire des lives pour ses concerts, sans pour autant se plonger dans des baises inutiles pour ses concerts. Donc, il était au calme dans son coin. Il a placé la date à Fungola Billetterie. Les billets se sont vendus à plus de 70% dans moins de 48 heures. Bisonios Tomon en a parlé la Défense Arena, saturation. Mais bino le loyo. Et comme il sombe la mpouk ou billet, sombe la même na Balthazar. Et comme il bossa la 107 boye, ma bé. Fere a madana live, ma bé. Fere a kende ko sala, tina banzembo ou bondo. Donc, papa. Tina niveau ya kokota studio bo sala nzembo et puis sauter na ba baisse moko boya impudicité tout simplement pour un concert o bobanda ko kanisa ke c'est facile le loto suki wapi
pas même plus de 10 000 billets vendus depuis Bofongo la billetterie. Il vous reste que 5 mois si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est avant-hier ici, cet idiot de Marc Etabou, il a passé dans des plateaux à Kinshasa pour nous faire comprendre que non, au moins il parle la défense arena wana, ce qui va rêver, tokoki ko beta ngo double, boyebi makambo na sali kuna. Et aujourd'hui, on est où? Marc Etabou. Vous vous rappelez, non? Chez Frank Stemai. Marc Etabou, c'est ma maman qui m'a dit. Il y a des informations qui sont sur maman qui m'a dit. C'est ma maman qui m'a dit. C'était avant-hier, Marc Etabou. Il a passé chez Frank Stemai. Il s'est poitriné en disant que non, ce qui est tali mabe, togo beta ngo double, ce qui peut botier foin, togo tondi sape, togo ya pe na stade de France kuna, bino boye bite makambo na sali kuna. Si ko makambo ma keta bo sala ki na Paris la défense, yango yo togo mi komo na lelo. Yango yo togo mi komo na lelo. Tina banzembo, tina ba live. C'est drôle. C'est vraiment drôle. On vous a toujours dit ici, Soso Amelaka Eloko Oyo et Kokina Mongongo Naye. C'est simple. Cherchez pas à forcer la nature. On ne force pas la nature. On s'incline devant la nature. On s'incline devant la réalité. Simple que ça. Sinon, vous allez souffrir. T'as la souffrance. Vous vous retrouvez maintenant, vous poussez maintenant l'artiste à se plonger dans de baisses inutiles, de baisses qui n'honorent pas, et la femme et l'homme. Aujourd'hui, il y a plus de 400 vidéos pour Balthazar. Mais parce que tu as vu quelques individus inconscients, inconscientes, qui reprennent la danse de Balthazar dans des TikTok, toi aussi, un artiste influent, hein? Un artiste, donc, celui-là qui peut être même exemple pour tout le monde, toi aussi tu te précipites dans la casserole de Balthazar, toi aussi tu te plonges là-dedans, toi aussi tu commences à danser, tu réalises même un clip, tu précipites même la réalisation du clip à cause de ça. Parce que le buzz de Balthazar, il faut précipiter, il faut plonger, il faut un artiste. Et puis, vous allez vous comparer à Fally avec des bêtises, des bassesses comme ça. Vous avez déjà Fally, vous avez déjà vu Fally sauter sur quelle baise pour que... Quand Fally nous a réalisé Eloko Oyo, il a sauté sur quelle baise? Aujourd'hui, la chanson a pris des 105 millions dans la plateforme et à YouTube. Quand Fally nous a sorti Original, il a sauté sur quelle baise? Quand Fally nous a réalisé la chanson Rumba la plus consommée de l'histoire, Mayday, tirée dans l'album Formule 7, il a sauté sur quelle baise? Fally vient de nous réaliser Tube Planétaire 207. Il a sauté sur quelle baise? Car cette chanson, c'est une reprise, remix. Version originale existait déjà. Fally a sauté sur quelle baise? Pour qu'il puisse faire danser le monde entier. Mais vous allez vous précipiter à la télé pour chercher à rivaliser avec un baobab comme ça. Faites attention, c'est la raison pour laquelle lui-même vous considère comme des bébés. Hein? Bonne nuit, bazabana. Ah, vous êtes des petits, on a l'obaka, des petits musiciens, bah, petit esprit, mon roboy. C'est tellement compliqué. Mais tozo zelaka ka parce que concert en haut est menacé, soit report, soit annulation, soit ceci. Bon, on demande à notre frère compatriote congolais Charles Etabou de faire par tous les moyens possibles pour solution et joie. Parce que tolingi ba problème li soute, tolingi te que nous Paris la défense pe pour na ba désordre na bino et ya ko silika et zo la artiste nyo so congolais ba embargo kuna. Parce que nous les congolais on est toujours comme ça. Tolinga ka ko baby ça. Tolingaka kokoti saba ba manka momoko ya mabe na ba bisika oyo ba porte ezalaki ouverte pour tout le monde parce que Paris la défense arena il a placé même la configuration sur vert pour na ko faciliter tâche na batonyos mais bolingi bo baby sakaka parce que biso tozalaka ba expert ya ko baby sakaka bolingi bo baby sakaka ebe bakaka
Et lobby lobby kuna tokoyo ka Paris la Défense Arena azueli ba artiste musicien congolais nyoso ba marbo ba beta ka lisusu kuna te. C'est toujours comme ça. Biso ba congolais. Alors tozo senga na Charles l'état vous fait par tous les moyens possibles ndeko. Toi tu es un commerçant, tu es un businessman. Ouais, biso tozo comprendre, il faut gagner ndeko. Mais fais par tous les moyens possibles, cadrer bien ba mankambo pour artiste a beta s'occuper à ko beta te. Et qu'il est bien, parce que tu comme koyoka, peut-être ba avocat, peut-être kosamba, peut-être kozongi sambongo, c'est pas quelque chose de bien. Et pourtant, et banda ko s'annonçait bien. Et puis Charles Tabou, je voulais quand même, ok peut-être, parce que je voulais te demander si tu peux faire une sortie médiatique pour expliquer les fanatiques et les communicateurs et communicatrices de Ferregola, qu'ils arrêtent le mensonge. Ce n'est plus le monde des mensonges. La lumière a été bien établie. Tout est vérifiable. Et tout ça, système à VAR, on a toujours dit ça. Je ne sais pas si tu peux faire ça, mais je ne sais pas. Mais, biso tozo senga na yo kaka. Ça, là, par tous les moyens possibles. Pe sa rapé conseil na artiste na yo, Charles Tabou. Hein? T'as fréquenté de mecs comme Fanny Poupa. Tu fréquentes plusieurs mecs. Pe sa rapé conseil. Parce que yo ne so ki producteur. Pe sa rapé conseil na produit na yo. C'est toi qui vas produire Ferry. Pourquoi toi aussi tu peux accepter à ce que artiste a les sacs à emporter comme ça? Donc il faut aider quand même cet homme. Parce qu'à la base, Ferry n'est pas intelligent. Excusez de le dire, mais c'est la vérité. À la base, Ferry n'est pas si intelligent. Non. Donc il faut aider l'artiste. Ça, c'était Ferry Gola, je suis des nuances. Fali, il ne peut pas dire que la merveille après. Le report de sa tournée américaine, Amérique du Nord, là où il avait 5 dates, Fali a reporté toute la tournée. On est tous conscients de ce qui s'est passé. Parce que c'était un peu chaud, on a calmé, on a essayé de calmer, on a essayé d'expliquer. Et puis, les lots de Fali n'a pas calme, mais Albert non. Ok, c'est comme ça, oui, accepte. Let's go. Et que la vie continue. C'est ok, c'est bien, c'est pas grave. Parce que, tu vas avoir un bazar qui a un silica. Et puis, parce que tu vas avoir un silica. Parce que, silence, moro boye. Et tu vas se manifester dans un bas fali pour ne pas communiquer à l'heure, à temps, si je peux le dire. Mais l'artiste émission a communiqué. Finalement, il a fini par communiquer. Et il a bien expliqué. Makambo, biso peut expliquer qui a un visa de travail. Wax payment. Wax permit, si je peux le dire, ou bien wax license, ça dépend comme tu fais toi-même. Alors, et ça là qui moi défaut, bon, tu l'inga qui t'a recadré ma kambo, tu l'obi, ah, ça vaut pas la peine parce que bah, j'ai déjà koutir, ko ya li sou soa, wa ko banda ko loba, ko loba, ko loba, bon, on a trouvé que c'était pas vraiment bon, on a laissé tomber, on a accepté tout simplement la situation en disant que, ok, moi je vous ai dit que je suis content parce que ça arrive à Fali. C'est lui le premier victime. Donc, c'est quelque chose de bien. Donc, c'est celui-là, Yende Akozala, le premier profiteur. C'est ça la loi de la nature. C'est lui-là le premier victime et c'est lui-là qui sera le premier profiteur. Peut-être l'hôpital, l'obikuna, tango bakozwa ba visa de travail, na bango ba permis de travail, na bango peut-être bakozwa ya 10 ans. Au monique, ce qui fallit a eu 10 ans. Donc, bah, Madison Square Garden est déjà en otage. Et puis, il faut faciliter la tâche. Donc, quelquefois, le malheur est bon. Et il faut reculer pour mieux sauter. On a toujours dit ça. Fali ne précipite pas les choses parce que c'est un artiste professionnel. Il est tellement grand. Et il est condamné à réagir comme un grand. Il est condamné à se comporter comme un grand. Oyongana Lobaka Awa, tu as accepté d'être considéré comme un artiste professionnel. Donc, il faut qu'on ait un professionnalisme. Tinali Fobo, ne lâche pas. Oyomundi Boyembela Biso. Donc, Fali ne doit pas lâcher le professionnalisme. Tinali Fobo, Tinasuka ya carrière. Donc, carrière ya Fali. Et loko oyeko kanga porte ya carrière ya Fali, professionnalisme. Yangonde Koya et Kangi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors Fali s'est comporté comme un grand,
comme un grand monsieur, comme un grand homme. Et je vous ai dit que des comportements comme ça augmentent les taux de la crédibilité envers l'immigration, envers la maison Schengen, envers tout nyonso. Parce que bazo tala nengozo se comporter, tu ne cherches pas à forcer les choses, tu ne cherches pas à casser les portes, tu ne cherches pas à détruire les cadenas pour que tu puisses entrer. Non, tu attends. Et ça, c'est ça la grandeur. Ça prouve aussi la grandeur. Et c'est la raison pour laquelle des gens comme ça, des hommes comme ça, des esprits comme ça, on les considère bien avant comme des légendes. Ce qui est tellement compliqué pour l'homme congolais de comprendre, d'encaisser, d'accepter que Fally c'est une légende. On ne devient pas tout simplement légende à travers plusieurs albums, non. À travers aussi comportement, tu te comportes comment? Les Martin Luther King, comment la légende te pour la bête, ma Kofi, la Tyson? Non, à travers tout simplement le discours. Un jeune homme de plus de 20 ans, de 30 ans, à se tenir debout devant les Américains, à tenir discours, légende. Et Tikali Libela, des comportements comme ça qu'a affiché Fally Ipupa, et ça va comportement légendaire. À soutenir, à applaudir, et non pas forcer. Tout le monde qui vient à Bissongia Mamakanda de la forêt, tant qu'on a refusé à ma visa, on a vu les fanatiques et lui-même Ngiama. Ils sont descendus là-bas, allaient forcer des choses, allaient faire des troubles là-bas. Et aujourd'hui, Werason, Yewana a placé concert. Otozo benga ba concert et tozo benga ba merci Fally. Wera vient de placer un merci Fally. Akobeta soki na salle à 9000 personnes. Et demain, le lendemain, il aura besoin de visa pour qu'il puisse faire voyager groupe Naye. Et ce qui battu à Schengen, va se rappeler na trouble Oyoera à Sala. Ce qui va pimélier ba visa et koko malisusu o main noire o ceci cela. En fait, c'est ça le problème. La grandeur d'une personne bata la kangope na ba comportement na yo. Comment tu fais face à des situations compliquées? Comment tu te comportes dans la négativité? Tu t'en sors comment? Quel genre de discours? Fally a aussi des warriors. A quoi qui peut donner mon ordre? Mot d'ordre, mon gobe ba warrior. Bokita, il faut que tu sois permis de travail, vouloir ou pas. Bawarior baninga ki bakita. Et surtout, bawarior bazalaka conscient, ba revendika ka peli kambo ya kuluba kino, Fally baninga ka ete na Congo. So ki Fally a pesi mot d'ordre ya kuluba kino, en tout cas visa de travail, il faut que tu sois yango. Bawarior pe baninga ki bakita. Basala des ordres. Mais il n'a pas voulu faire ça. Il n'a pas voulu faire ça. Il est resté calme et serein dans son coin. Il a respecté. C'est les règles. Parce que lui aussi, il est dans les systèmes. Il est conscient que les systèmes fonctionnent ainsi. On doit s'incliner, on doit attendre. S'il s'agit de reporter et demander pardon, s'expliquer, s'excuser, on va le faire. Toi apparaître le colaba faible pour que demain, le lendemain, qu'on puisse apparaître encore trop fort. Ça, ce sont des comportements légendaires. Ça, ce sont des comportements des grands esprits. Mais combien de nos artistes font ça? Tous, ce sont des pleurnichères. Il y a même un qui s'est surnommé mille des lamentations. Mais Fally, lui, l'a accepté. C'est pour son bien. Je vous ai dit ici, c'est pour garantir. C'est le lendemain. C'est pour faciliter la tâche à son futur. Parce qu'il doit se produire dans des grandes salles ici, aux États-Unis. Alors, il doit d'abord nettoyer les chemins. Il doit d'abord faire le travail qu'a fait Jean-Baptiste. Préparer l'avenir à Christ. Voilà. Aujourd'hui, on se moque de lui. Hein. Vous êtes là. Hey, mais rouge, mais noir, manquiona. On accepte. Et il accepte ça. Parce que ce n'est pas la première fois que vous vous êtes moqué de lui. Mais il vous a toujours prouvé le contraire. Il vous a toujours montré combien de fois il est tellement fort. Alors Fally Ipupa, il a reporté sa tournée
on accepte cette situation, c'est pour son bien, et lui-même a accepté, il a communiqué, et aujourd'hui, c'est calme, et tout le monde est calme, et tout le monde est tranquille. J'ai discuté avec pas mal de mes copains ici, ils ont dit, non, Albert, oui, accepte, t'autose, et la caca, c'est pas grave, et puis, bah, élection, paye, bah, ni, hein, bah, moi, trouble, trouble, oh, et donc, on accepte. Les gens, aujourd'hui, hein, bah, ça calme, bah, c'est pire, nabango, bah, zongi, nabami, ça, nabango. Et puis, les billets ne sont pas remboursables, parce que tout le monde a réussi, humain, naïe, bah, billets, ça, déjà, valable, donc, binobo fanda kaka janvier tango fala ko annoncer ba date mon sous mais il faut ba travailler ba fanda pena ba travailler parce qu'il faut tenir compte pena ba climat na ba saison parce que awa ezala ka lokola Afrique te Afrique ezala ka na saison ni balé kaka soki moi te mbula soki mbula te moi c'est pas la même chose ici par exemple là ba Canada ba période ba neige ba janvier ba février si je dis pas de bêtises donc il faut ba fanda ba calculer bien ba calculer pena ta bien parce que précipitation ezate les gens ont déjà encaissé les reports donc comme vous reporter à la prochaine il faut beau étudier bien terrain parce que les gens, ils ont accepté. Ça leur fait mal, bah déplacement, bah booking, tout ça. Mais ils acceptent. Bah fan na bango calme. Mais alors, on demande aussi à l'équipe de l'artiste de pouvoir mieux étudier bah terrain, bah saison. Donc pour que tant que boko se lancer na année prochaine, bo se lancer bien. Bah kokoso lisusu eyate. Et moi je pense que comme bosali bah report, vous pouvez aussi augmenter d'autres dates aux États-Unis. Si possible. Et vous pouvez aussi augmenter votre date aux États-Unis. Si possible. Vous pouvez le faire. Donc, c'est ça, Fali Poupa. Il a reporté sa tournée américaine, mais il a aussi une tournée européenne. Parce qu'aujourd'hui, j'ai discuté avec pas mal de fanatiques à Fali. Bazolo Balbert, Bozo Martelly, ils sont sous des tournées européennes. Et là, les pénins, Bazolo Belangote, c'est comment les gens se focalisent tout simplement à Macambo États-Unis et bon, Macambo à Europe. Non. Makambo Europe et l'alité. Moni biso ba congolais, on est tellement habitué na ba makelele, c'est la raison pour laquelle soki ka moi kimia ekoti oh makambo elali. Non, c'est pas que l'alité. Je vous ai toujours expliqué que soki malien moko boye et si asombi déjà billet ya Nantes. Soki camerounais moko boye et si asombi déjà billet ya Lille. Soki éthiopien moko boye et si asombi déjà billet à Marseille. Il faut aller otali sayo ke na sombi billet. Non. Les gens se procurent de billets sans problème, sans makelele. Biso ba Congolais ndo to sala ka makelele. Hein, biso ba Congolais ndo to sala ka makelele. On était tous na Paris la Défense Arena. Pourcentage ya ba Congolais ezala ki combien? Na pourcentage ya ba communauté mosusu. On est tous témoins, on a vu. Ba communauté mosusu bazala ki tellement ebele ke biso ba Congolais. Est-ce que ba communauté nyonso wana tango ba somba ka ba billets na bango? Ba la ki ça. Balagi sagatin, biso ba Congolais ne to sala ka makere na makambo nyonso. O défi moi t-shirt moko boye oké ko sala émission. O sombi moi lich moko boye mbala moko émission. Mais o komi pe ko senga na cameraman, on cameraman zonga bien, zonga mobimba. Po batu batala kaka sapato o sombi, ya tu ba 500 euros moko boye. Mais ba communauté mususu ba tiaka makere le temps. Biso ba Congolais ne to tiaka makere le soki oké na Fnac kuna e o moni bien na sombi. Mais si un Camerounais, une Camerounaise, un Tanzanien a son billet, a kola kisa ta. Yo moko ko comprendre que ezola la te jour ya concert. Tango ko mona sale toni ba communauté misusu ba zoye malingala. Wana ndoko comprendre que c'était boy. Ouais, c'est toujours comme ça. Donc il faut arrêter avec ba mankambo ba inquiétude. Oh, elali. Non. Il faut arrêter avec ça. Les tiers se vendent très bien. Même de comment galobi na Albert il faut marteler penali kambo sold out parce que ça fait un moment fallait azo réaliser ba sold out li susuté fallait mutoyer na mon sold out c'est comme si moana et comme ko échapper fallait ceci cela bande ko ba bolingo moi je pense qu'il est temps ba congolais tout diminuer busenzi effectivement on a dit qu'on vient pas les mots sold out et ça la gamo diki na pesa ki exemple là on a lobi que soki osa commerçant oyé na ba marchandise na yo oté ba marchandise na marché oyé soki na trois conteneurs omoni ba conteneurs nyonso esili ba tu ba suiba marchandise et ça la rapena diki on a dit qu'on vient pas et ça la rapena bien mais c'est pas obligatoire
obligatoirement il faut pas qu'à bongo que tu peux faire des sold out dans tous les concerts. Non. Non. D'abord posez-vous la question de savoir. Fally vient de réaliser plusieurs concerts en Europe, mes chers frères. Hein? Il vient de réaliser plusieurs concerts. Mine de rien, Fally a déjà réalisé plusieurs concerts en Europe. Donc, ba concert nyo so touté et kotia makele le ndenge mon côté. Et puis, ba concert ya Marseille, ya ba Nantes, ya ba Lille, et ya ba concert ya ba province, on a toujours dit ça. Makele les alaka na Paris, na ba Saint-Denis. Mais, soko ke na Nantes, makele le yanini. Soko ke na Lille, makele le yanini. Soko ke na Marseille, ok, Marseille pe zalaka makele le parce que Marseille kuna e zalaka pe matata kona club wana club na bango olympique ma ya Marseille. Ba e zalaka pe mwa makele le mais. Je pense que ce qu'il fallait à sali sold out, c'est bien. Mais ce qui était à sali pe sold out, était mais la salle et Zui Batou Ebele, il a déjà vendu plus de 80% de billets. Ça aussi, c'est bien qu'on se contente de ça. Fally n'est pas condamné à faire des sold out. C'est, tous les artistes ici, sur Terre, ne réalisent pas chaque fois des sold out. Bien sûr, il y a de ces artistes, il y a de ces superstars, à chaque fois qu'il a placé concert, ce n'est que des sold out. Par exemple, ba Taylor Swift, wana ekomi ba niveau mosusu. Hein? Wana ekomi ba niveau mosusu ba Taylor Swift, wana ekomi ba niveau mosusu, wana ekomi makambo mosusu. Mais on ne peut pas s'attarder toujours sur les sold out, je ne sais pas comment non. Comme mino moko bozolo baké, Fally Mutuaïla biso mo wana sold out. Alors qu'on arrête un peu avec ça. Totika ba musenzi wana. Soki mutuate ki déjà 90% sur 100 ya ba billet. Bozo lukanini lisusu. Donc qu'on accepte ça, ça c'est pas grave makamba sold out, qu'on arrête un peu avec ça, mais cela n'empêche pas à ce que batu oyo nanu basombi ba biete, basomba ba billet parce que Fally d'ici là demain ou le lendemain bakoya déjà na Europe, bazana tourner, bazana soki na soki 7 dates hein, si je dis pas de bêtises na Europe. Si c'est pas 6 dates, c'est 7 dates. Parce que bazana Lille, bazana Nantes, bazana Marseille. Bazana Allemagne, bazana deux dates, hein, bazana Lille, Nantes, Marseille, Allemagne deux dates, ça fait 5 dates et puis Rotterdam donc Netherlands, Hollande, bazana pe na date kuna, date mon sous pesa si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez que il y a plusieurs billetteries et c'est pas du tout évident, il y a ko sala ba sold out na ba billetterie nyonso wana. Ba tout misusu na ba période bazana ba crise na bango, nanu bazui ba prime na bango te, nanu bazui ba salaire na bango te. Bazana ba privilégié. Hein? Avant ba concert à Fally parce que c'est pas du tout évident, il faut que tala ba paramètres nyo so, mais moi je pense que sold out c'est bien et ça la moi diki. Et zo ça la bien que artiste azo ya lobby a yebi très bien que ça les a déjà retourna fanatique azo ya yebi déjà ça les a retourna producteur mémément la salle mémément ça fait quand même du bien mais c'est pas vraiment quelque chose où ce qui artiste a ça li a motembe comme ce qui a à faire d'état non qu'on arrête un peu avec ça. Le warrior bo ke nebo somba babié bo somba babié parce que fala zo ya na Europe tournée européenne et ça maintenir ba date nyoso et ça maintenir bo se procurer babié d'ici là Fally va s'envoler avec son groupe parce que il y avait des inquiétudes au Fally za kobela so ki ngeni non. Rassurez-vous Fally, il va très bien. On a appelé, on a posé des questions, tout tinda ki ba message na ba tu ya sûr ba lobi na biso ke non Albert ne t'en fais pas, l'artiste va très 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 bien. Donc Fally il est en bonne forme. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Fally est bien. Et puis, d'ici là, Bagoya est déjà en Europe. Donc, Bosomba va bien. Alors, Héritier Watanabe a un concert na en Belgique. A Robeta le Loyo, le 8. Il y a un concert tout autour. Il y a un concert na en Angouima Ezate. Makelele Ezate. Bon, il y a un concert qui est trop de Makelele. Donc, c'est comme ça. Donc, de toute façon, c'est un peu inquiétant dans le Héritier Watanabe parce que Héritier Watanabe. Ça faisait quand même un moment avant d'arriver dans la porte à Watet. On dit très bien que son premier concert c'était la scène musicale où il y avait dans la salle il y a 6000 personnes et c'était bien. On a applaudi, on a félicité et on a vu aussi la présence de Werason de Ayaki na Mwinda à Pesa qui héritier Watanabe. Et aujourd'hui, on se pose maintenant la question de savoir est-ce que Mwinda wana et Zalaki Pena.
Ah, bandeko wa Congolais, lobinde komo kwa elinga mabia walpero moni. Yo banda kosala ba analyse na yo no zolo ba keno winda wana eza significative eza soki ngenge nini. Na lobaki na yo keza ba blague ba wera ba comedy wana. Lelo to suki wapi? Héritier, soki asale amoni bien clarté, akobeta mpiaka na ba Belgique kuna ba mwinda wana ezalaki ba théâtre bandeko. Ah, ils ont un Congolais, mais ils ont évité, ils ont analysé tout ça là. Puis nous avons une idée. Donc, il faut que nous soyons là pour expliquer. Écoute, ils ont tout ça qui analyse par rapport à un geste. Et c'est un geste symbolique. Parce que vouloir ou pas, tous les gens comédiens, tous les gens qui sont là, mais ils ont un geste. Ils ont tout ça qui analyse par rapport à un geste. Et puis dans l'analyse, on a ça qui est clairement que ce qui est à ça qui geste wana na motema, il y a beau solo dans la sincérité et que ça la bénéfique pour héritier. Dans le bac, il y a beau. Et ce qui héritier a zuipe geste wana na considération et que ça la bénéfique pour naïe. Ce qui bango moko, ba ça qui ango kaka ki wenge pour na baise, pour batia moto. Hein? Peine perdue. Na loba ki yango, je fais des analyses, bo kende bo zongela analyse, bo comprendre makambo na zoloba. Biso to sala ki analyse par rapport ya geste. Geste wana ezala ki symbolique. Et na pesa ki pe ba exemple ebele na loba ki ke wera son azala na mwa si mama si bima mpata, aza mama pasteur. A yebi importance ya lumière dans la vie de quelqu'un. Peut-être ezala ki pe conseil a mère na biso mpata. A loba ki na ya Noël, nengo zo kende na conseil na mwana, meme la epe mwinda. Donc, il y a tout ça qui analyse par rapport à geste. Alors, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Donc, héritier, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps, peut-être que tu as un peu de circuler, je ne sais pas comment, dans la Belgique. Mais, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. 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 Il y a un désor, ezo zongi sa biso. Na ba propos ya fali, ou ya lobaki devant Marius Munga. Et que les gens arrêtent ya ko leyi sa musique. Le billet c'est pour vendre, le billet ce n'est pas pour distribuer. C'est ce que fali vous disait. Yango to komi komona. Le billet c'est pour vendre, ce n'est pas pour distribuer. Donc Tozela, lelo le 8, tokozela, tokota la soki konsele koleka, nenye nini, biso tozo souhaite kaka ba bonne chance, ba bonne application, qu'il se comporte bien, qu'il améliore, ba fight, oya mona ki na scène, sur scène musicale, a amélioré, en tout cas, eko sa la pena ki toko makase. Na monita eke, vraiment makamboa kofi, toko ya kolobe lango après, je dois m'arrêter par-ci parce qu'il faut na sauter. Et on est ensemble, j'espère que vous allez m'accompagner aussi à travers les commentaires. Abonnez-vous, partagez les liens, c'est très très important. Likez nos contenus, c'est très très important pour nos chaînes. Donc à la prochaine, merci beaucoup.